Salut à tous les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur WWE Supercard. Je suis en train d'en faire une autre également. Mais là, j'avais envie de faire un petit aparté sur la vidéo que j'étais en train de tourner. Et là, j'ai envie de faire Bounty Breaker. Alors, Bounty Breaker, c'est un jeu qui est assez simple. C'est un jeu qui est gratuit en plus. Le but, c'est de faire une série et d'atteindre 50. C'est pas compliqué, vraiment. Le but, c'est de ne pas tomber sur une carte blessure avec les béquilles. Et quand vous estimez que vous avez assez de cartes, vous pouvez récupérer et quitter. Et pour avoir une partie gratuite, il vous faut attendre malheureusement 2 jours. Voilà, c'était tout pour ce petit aparté. Malheureusement, j'ai pas pu garder mes récompenses qui avaient l'air d'être belles en plus. Mais c'est pas grave. On se retrouvera dans 2 jours quand j'aurai fait mes récompenses. À tout à l'heure. Enfin, dans 2 jours pour moi, mais pour vous, c'est à tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve pour Bounty Breaker. Je vais juste faire 5 étapes, c'est tout. Voilà, c'est tout pour Bounty Breaker. Je pense qu'on va s'arrêter là. Eh bien, c'est très bien. Les récompenses de l'Eferdi et Dame Cool sont pas mal. Même le charisme cataclysme. Le reste, c'est juste de l'amélioration. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié le mode Bounty Breaker. On va se quitter avec Adam Cole, baby! Ciao tout le monde!